Je salue tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre deuxième cours de français, d'anglais et d'espagnol. I greet everyone. Welcome to our second French, English and Spanish course. Bienvenido a todo el mundo. Yo saludo a todo el mundo. Y yo digo bienvenido a nuestro segundo curso de francés, de inglés y de español. Encore une fois, mon nom est Paul Diver. Si vous me suivez à travers mon channel YouTube, je vous assure que vous parlerez les langues que vous aimeriez parler. If you follow me through my YouTube channel, I assure you, you will speak languages you would like to speak. Le aseguro, si usted me sigue a través de mi canal de YouTube, le aseguro que usted hablará las lenguas, los idiomas que le gustaría hablar. Pour continuer, nous allons continuer avec notre pratique. Nous allons continuer avec notre présentation. We are going to start with our presentation. Para continuar, vamos a continuar con nuestra práctica. Vamos a continuar con nuestra conversación. Maintenant, nous avons le verbe s'appeler. Nous avons le verbe s'appeler. Si nous voulons conjuguer le verbe s'appeler, nous pouvons dire je m'appelle. Tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. En anglais, in English, we have, what is your name? My name is, your name his name is, her name is, our name is, your name is, their name is. Para hablar español, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. Maintenant, nous allons continuer avec notre pratique. Pour le français, on tutoie la personne. On dit, comment t'appelles-tu? Pour le français, comment t'appelles-tu? Si on n'utilise pas, si on n'utilise pas le verbe s'appeler, nous pouvons dire ça autre façon. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Qui est le tutoiement singulier. Le vouvoiement singulier, on vouvoie la personne, on parle à une personne ou à plusieurs personnes. On dit, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? For English, now, we say, what is your name? What is your name? If you speak French, you say, comment t'appelles-tu? Or, quel est ton nom? In English is, what is your name? If you speak French, you say, comment vous appelez-vous? Or, quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? In English, what is your name?
This is the same. What is your name? What is your name? Ahora vamos a hablar español. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O podemos decir también, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Si yo no digo, ¿cómo te llamas? Puedo decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es el tuteo singular? La forma informal. La forma informal. The informal form. Maintenant, si on veut revoir la personne, en espagnol, ¿qué es el voceo singular? ¿Cómo se llama usted? Si yo quiero, puedo decir, ¿cómo se llama? Puedo no usar la palabra usted, que es el pronombre. ¿Cómo se llama usted? O, ¿cómo se llama? Si yo no quiero decir, ¿cómo se llama usted? Puedo decir, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? En reprend. En français, le tutoiement singulier est comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ou nous pouvons dire aussi, quel est ton nom? Quel est ton nom? When you speak French, when you want to say, how are you? And when you want to say, what is your name in English? In French, comment t'appelles-tu? Or, quel est ton nom? If you speak French, you want to say again, what is your name? You can say, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Or, you can say too, quel est votre nom? Quel est votre nom? En español, primero, la forma informal, el tuteo singular, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si yo no quiero decir, ¿cómo te llamas? Puedo decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama usted? O ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Significa en francés, comment vous appelez-vous? Comment se llama usted? Significa en inglés, what is your name? Comment se llama usted? What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your name? Maintenant, nous allons répondre. Je m'appelle Paul. En français, je m'appelle Paul. Si je ne veux pas dire je m'appelle Paul, je peux dire mon nom est Paul. Mon nom est Paul. When I speak French, I want to say my name is Paul. In English is my name is Paul. In French, je m'appelle Paul. Or, I can say too, mon nom est Paul. There are two ways I can say my name is Paul. First, je m'appelle Paul. Second, mon nom est Paul. In English, my name is Paul. Even though I say je m'appelle Paul. Even though I say mon nom est Paul, in English is my name is Paul. My name is Paul. Ahora vamos a hablar español. Ahora vamos a hablar español. Me llamo Paul. Pero si quiero traducir al español, Paul puedo decir Pablo. Me llamo Pablo. Me llamo Pablo. O puedo decir también, mi nombre es Pablo.
Mi nombre es Pablo. Hay dos maneras que puedo decir eso. Hay dos maneras que puedo traducir eso. Me llamo Pablo. Me llamo Pablo. O puedo decir también, mi nombre es Pablo. Mi nombre es Pablo. Puedo comenzar una conversación. I can start with a conversation. I can start with a conversation. Nous pouvons commencer avec une conversation. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paul. On reprend. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais bien. Et vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paul. Et vous? Now, we can translate into English what I have just said. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I am fine. And you? What is your name? What is your name? My name is Paul. My name is Paul. And you? My name is Paul. And you? Ahora vamos a traducir al español. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Y usted? Estoy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? O puedo decir también, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pablo. Me llamo Pablo. ¿Y usted? Maintenant, on va continuer avec la même conversation pour vous demander votre nom. Maintenant, on va continuer avec la même conversation pour vous demander votre nom. Now we are going to continue with the same conversation to ask you your name. Ahora, vamos a seguir con la misma conversación para pedirle a usted su nombre. Mais avant de continuer, nous allons conjuguer le verbe être. Le verbe être. Nous allons conjuguer le verbe être en français. We are going to conjugate the verb to be. Vamos a conjugar el verbo ser. Pour le français, le verbe être en français, c'est je suis, tu es, il, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. For English, the present tense of the verb to be is I am, you are, he, she is, we are, you are, they are. When I say je suis, in English is I am. En español es yo soy. Y yo puedo decir también en español soy. No es un problema si yo digo soy. Yo soy o soy, etc. Y vamos a continuar con la conversación. Tenemos la palabra. ¿Quién? Nous avons le mot, le vocabulaire. Qui? Qui? En français. Où?
in English, who in English, quién en español. Quand nous parlons français, nous disons qui. When we speak English, we say who. Cuando hablamos español, decimos quién. Podemos usar el verbo ser. Nous pouvons utiliser le verbe être à la deuxième personne du singulier qui est le tutoiement. Qui es-tu? Dans la conversation précédente, je disais ¿Cómo te llamas? Je disais aussi ¿Cuál es tu nombre? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? What is your name? Nous pouvons dire aussi qui es-tu? Qui es-tu? Le vouvoiement qui êtes-vous? Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Good morning sir, who are you? Who are you? Bonjour mademoiselle, qui es-tu? Bonjour mademoiselle, qui es-tu? Good morning miss, who are you? Buenos días señorita, ¿quién eres? ¿Quién eres? Eres es el verbo ser, tú eres, ¿quién eres? Si yo quiero, puedo decir, ¿quién eres tú? Buenos días señorita, ¿quién eres? Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Good morning sir, who are you? Buenos días señor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Vous, you, usted, qui êtes-vous? Who are you? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Maintenant, si je dois répondre, je peux dire « Je suis Pierre » avec le même verbe « être ». J'avais dit « Qui es-tu ?» La réponse « Je suis Pierre ». Quand je disais « Qui es-tu ?»« Je suis Pierre ». When I said « Who are you ?» You can say « I am Peter ». Who are you ? I am Peter. ¿Quién eres tú? Soy Pedro. Oh, yo soy Pedro. ¿Qui êtes-vous? ¿Qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Sir, who are you? Sir, who are you? Señor, ¿quién es usted? Señor, ¿quién es usted? Je suis Pierre. Je suis Pierre. I am Peter. I am Peter. Soy Pedro. Soy Pedro. Soy Pedro. Who are you? ¿Quién es usted? Qui êtes-vous? Soy Pedro. Soy Juan. Je suis Jean. Je suis Jean. I am James. I am James. And so on. And so on. Etc. Etc. Merci d'avoir suivi avec moi le cours de français, d'anglais, et d'espagnol. Thank you for following with me the French, English, and Spanish course. See you soon for another course. See you soon for another course. On se reverra pour un autre cours. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Para otro
curso. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right.